Bonjour City Brand, je suis de retour d'un événement professionnel, d'un événement de marketing relationnel et j'en profite pour aborder deux points importants. Le premier, c'est justement l'importance d'assister, de participer à des événements professionnels. Alors que ce soit dans le marketing relationnel ou que ce soit dans un autre secteur d'activité, que ce soit dans le secteur de l'immobilier, des finances, organisé par la chambre de commerce, peu importe. L'importance, c'est dans notre métier de continuellement développer notre relationnel, nos connexions et nos connexions professionnelles bien sûr. Alors c'est absolument fabuleux de pouvoir le faire sur internet de nos jours et c'est aussi important de le faire hors internet. Et ces événements professionnels sont effectivement un des meilleurs endroits pour établir des connexions professionnelles pour votre business. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les personnes que vous allez rencontrer dans ces événements sont des professionnels et sont déjà préqualifiés et ont déjà le même intérêt que vous. Deuxièmement, je voulais aborder avec vous comment connecter avec les personnes lors d'un événement professionnel. Eh bien, comment connecter ? Eh bien, de manière tout simplement naturel. Donc ne parlez pas de votre business et forcez-vous de ne pas du tout en parler, de ne pas du tout parler de votre business et au contraire de poser des questions et d'écouter les personnes. Donc focalisez-vous surtout sur établir une connexion de manière naturelle et amicale et professionnelle. Et dans un deuxième temps, eh bien, vous allez pouvoir recontacter la personne ou les personnes auxquelles vous allez parler et que vous avez apprécié au niveau humain. Alors, qu'est-ce que j'aime faire ? Eh bien, moi, je vais à contre-courant, c'est-à-dire que je n'ai pas de carte carte de visite sur moi. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que je préfère, en fait, récupérer les cartes de visite moi-même des autres personnes ou prendre leurs contacts, leurs coordonnées email ou téléphone ou peu importe et les recontacter moi-même par la suite. Alors pourquoi ? Eh bien parce que je préfère être responsable moi-même de recontacter ces personnes plutôt que d'attendre passivement qu'elles me recontactent. Eh bien je préfère être la personne qui prenne la responsabilité de les recontacter par la suite moi-même. Donc c'est pour cela que je préfère ne pas avoir de carte de visite sur moi. Donc voilà pour cette vidéo. Eh bien je vous retrouve dans une autre vidéo ou audio. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. À bientôt.